Eh bien, yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen. J'espère que vous allez bien, en tout cas ça va super, très heureux de vous retrouver les amis. Mais avant toute chose, avant que la vidéo commence, je vous invite à tous vous abonner. C'est très important pour le développement de cette chaîne YouTube. Donc je compte sur vous pour vous abonner. Voilà, c'est gratuit, ça ne demande qu'un clic les amis. Et bah moi je prends extrêmement plaisir à vous faire des vidéos. Mais si on peut avoir un petit retour en abonnement, gratuitement en plus, ça ferait extrêmement plaisir. En tout cas, un très grand merci à tous ceux qui le feront et qui continuent à soutenir cette chaîne à chaque vidéo. Un grand merci à vous, les amis. Donc, les amis, on va commencer par vous rappeler qu'il y a le Discord communautaire communauté NLG86. Donc, c'est un Discord communautaire où on fait du multigaming. Donc, pour ceux qui s'intéressent, rejoignez une petite communauté multigaming actif. Que ce soit sur Star, CSGO, Blazer Online, Minecraft, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour ceux qui s'intéressent de rejoindre une petite communauté qui est en train de se créer, bah écoutez les amis, vous êtes les bienvenus. Donc voilà, si le Discord est en description, ça fera extrêmement plaisir de vous accueillir. Si vous voulez participer, que ce soit aux vidéos, aux miniatures et tout autre chose comme ça, bah voilà, c'est ici qu'il faut aller. Pour le Discord de la corporation de Team, les amis, donc c'est une corporation sur Star Citizen qui a pour l'ambition de grandir au sein du Verse. Donc que vous soyez nouveau ou vétéran du jeu, que vous soyez solo ou en groupe, on vous accueillera les bras ouverts. Bien entendu, il faut quelqu'un sérieux qui ait l'envie de s'investir un minimum. D'accord, on sait très bien qu'on a une vie à côté, mais on demande un minimum d'investissement à la personne. C'est-à-dire, quand vous êtes in-game, au moins être en vocal avec les autres sur le Discord. Voilà, c'est le strict minimum qu'on demande pour passer une bonne aventure. Hein. Si on rejoint une corporation, c'est pour être avec tout le monde, c'est pas pour être solo. Donc, je le redis ici, comme ça, au moins, c'est clair aux yeux de tous. Par la même occasion, j'en profite comme ça, au moins c'est fait. Quand vous rejoignez le Discord de la DG Team, c'est normal que vous voyez rien. Hein, faut d'abord faire sa demande sur le site RSI qui est dans la description, bien entendu. Dès que vous êtes sur le Discord, forcément vous allez avoir un grade civil qui vous est donné. Faut accepter le règlement si vous le voyez, parce que parfois vous le verrez qu'après. Et dès qu'en fait vous avez fait votre demande sur le site et que vous êtes sur le Discord, il suffit de vous mettre dans attente de move, comme ça, un membre du staff viendra s'occuper de vous très rapidement, en tout cas dès que possible. Par la même occasion, les amis, mon code de parrainage, pardon, RSI, est toujours disponible en bas de la description pour tous les nouveaux comptes RSI. C'est le moment, voilà, la CitizenCon arrive soon. Donc c'est le moment de mettre mon code de parrainage. Ça vous fera gagner 5000 AUEC en plus de ce que vous allez déjà gagner en arrivant in-game. Et un grand merci en tout cas à tous ceux qui le feront. Ça fait extrêmement plaisir. C'est un soutien comme un autre à la chaîne et ça fait extrêmement plaisir. Voilà les amis. Donc les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen, une vidéo qui me fait plaisir de tourner. C'est la présentation d'un vaisseau. Donc j'ai pas besoin de vous présenter comme ça visuellement parce que vous savez très bien. C'est lequel actuellement qu'on a sous les yeux. Mais je vais quand même le faire. Donc, c'est le Corsair. De chez Drake. D'accord? Un beau petit bébé. Qui, malgré tout, arrache des darons. Hein, qu'on soit d'accord. C'est un vaisseau. Normalement, expédition. Entre guillemets, exploration. Pour moi, c'est pas du tout le cas. Hein. C'est un vaisseau plus combat, enfin multifonction, parce qu'il y a une bonne soute à l'arrière que je vous montrerai tout à l'heure. Mais ouais, il a une bonne petite soute qui permet de faire pas mal de choses, dont les ERT, les amis. Voilà, je vous le dis comme ça, je peux le lâcher. C'est gratuit. Donc, il a 6 armes. 6 armes en tant que pilote. Donc, 6 armes, hein, voilà. Hop. 6 armes, 2 sur les ailes et 4 à l'avant. À savoir que ce vaisseau a une petite fonctionnalité assez drôle. Moi, vous savez que je suis fan de tout ce genre de choses. Les fonctionnalités comme celle-ci, voilà. C'est le genre de truc que j'adore. Voilà, tous ceux qui me connaissent sur la chaîne YouTube et ceux qui viennent en live savent très bien que ce genre de fonctionnalité où les ailes se rabattent, moi je suis fan. Donc sur ce fameux Corsair, nous avons 4
M7A, d'accord, donc c'est les armes de base, et là, c'est deux M6A. Donc, autant vous dire qu'en termes de dégâts, ça vous fait mal, d'accord? Hop, on va juste quitter le pilotage. Là, c'est la tourelle, normalement, enfin, c'est copie, normalement, c'est la tourelle du dessous, donc, en gros, vous prenez les armes, il me semble, les armes. Alors, si ça va bien s'allumer, c'est chiant parce que je dois trouver maintenant le bouton. Ah, voilà, bah, c'est pas compliqué. Dans mes notes, j'avais noté qu'il y avait des badgers. Bah, les voilà. Alors, c'est bien hein, qu'il y ait eu on. C'est. Ah, d'accord, donc c'est les tourelles. La tourelle du dessus qui est là. À l'arrière. C'est le convoi à l'arrière là. Ok. Bah propre. Ok. Donc c'est de Badger. Hein. C'est pas. D'accord, les amis, des Badger, c'est. Et vraiment, bah, ce qui, par exemple, ce qu'il y a sur, sur un F8 ou des trucs de merde comme ça. Donc c'est pas non plus une arme de zinzin. Par contre, les M7A là qu'on voit là, les grosses armes. Là. Là. Ok. Là, ça envoie du pâté. Hop là, excusez-moi. Ça envoie du pâté. Donc, à savoir que ce vaisseau, il a un shield de 100 000 HP. D'accord? Donc, un seul shield de 100 000 HP. Donc, c'est bien, mais ça reste raisonnable. Donc, là, en même temps, on visite la couchette du capitaine. Ouvrir. Ah. Ah, d'accord. C'était là, tout simplement l'inventaire. Ah, d'accord. Il y a une petite trappe là. Je savais pas. Donc, oui, il a un seul bouclier de 100 000 HP. Donc, c'est bien comme c'est. Pas ouf. Moi, je trouve que un bouclier sur un vaisseau, c'est pas ouf. Parce que, bah, tout simplement. Une fois qu'il est tombé, bah, c'est fini, quoi. C'est. Allez, Velachi. Donc, on a deux tourelles. Deux tourelles sur les côtés. Avec d'autres badgers. Voilà. Au moins, c'est réglé. Là où c'est bien, c'est que vous voyez, hein, 371. Hein. Le corsaire est vraiment peut vraiment être énervé hein, les amis. Hein. La deux tourelles avec 371 full crew en corsaire, ça peut vraiment énormément piquer. Donc en power plant, nous avons des daybreak de 5938 power. D'ailleurs, le shield, j'ai oublié, c'est un 5CA Akura. Voilà. Donc les daybreak de 9000. Les 5938 sont des power punch, je crois, assez bons pour le corsaire. Vu que le corsaire, comme on peut le voir, avec ces deux générateurs-là, ces deux power punch, il peut avoir dans des tourelles jusqu'à 371 tirs. Donc c'est vraiment pas dégueu. Donc là, c'est encore une couchette. Il me semble qu'il y en a deux, trois. Hop, parce que là, il y en a une deuxième. Voilà. Et voilà. Donc là, on a trois couchettes. Plus celle du capitaine, ça fait quatre couchettes. Ça me paraît cohérent. Une tourelle, deux tourelles, copilote et pilote. Ça me paraît cohérent. Donc là, on a la cantine. Par la même occasion. La cantoche, comme on l'appelle dans le quartier. Par la même occasion, les refroidisseurs. Donc les refroidisseurs, c'est des Frost Star Eggs. Donc c'est du 4280 de refroidissement. Oh non! Ça j'espère qu'un jour on pourra genre s'amuser avec. Le running gag c'est que là il y a de l'eau qui coule et en même temps c'est les Yush. Voilà. Nous on est des thugs, on est dans le corsaire. On coule notre bronze à porte ouverte. Donc à savoir, je l'ai pas dit encore. Hop, autant pour moi. Je l'ai pas dit encore, mais le côté de Drake, donc les vaisseaux entre guillemets industriels, les amis, c'est des vaisseaux qui ont l'apparence industrielle. Hein. C'est vraiment rien n'est raffiné ou quoi. Hein. C'est vraiment brut, brut, brut. Hein. On voit les câbles apparents. D'ailleurs, je trouve ça un peu bizarre que dans un vaisseau on te laisse ça ressortir ça comme ça. Mais bon, à la limite, que ça soit un peu industriel comme ça, ouais. Les câbles apparents. Ouais.
Ouais, c'est bizarre. Mais en gros, voilà, c'est la marque de fabrique de Drake. Hein, c'est leur marque. Tout est apparent. C'est industriel. Donc là, savoir qu'on a un petit ascenseur que je vous montrerai après parce qu'il monte sur le toit et il descend en bas. Donc après, vous en faites voir ça. On va arriver dans les commandes verrouillées. C'est des trucs de l'ingénieur, hein, je crois. Hein. Moi, je vois que ça, là. Hop. Donc là, sur le côté, c'est là où on prend les armes, les armures. Et je crois qu'on peut ouvrir la porte. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Voilà, c'est une porte qui s'ouvre. Après, moi, j'adore ça, le côté industriel. Un peu genre les portes qui s'ouvrent en mode industriel. Donc là, on a encore des rangements d'armes, d'armures. Voilà, c'est... Je sais pas. C'est vraiment... Ah ouais, non, il y a que ça. Donc là, c'est une tablette, mais elle est pas fonctionnelle, j'arrive pas à savoir pourquoi. Bah après là, ça doit être tout ce qui est ingénieur, les plongeurs, hein. Enfin, ça me paraît logique, c'est là où il y a tous les composants, le moteur, les plongeurs. Et du coup, une soute. Donc, la soute, le cargo soute de ce vaisseau, tenez-vous prêt, allez, de 72 SCU. Donc voilà, dites-vous, c'est quand même quasiment plus que le. Bah c'est même plus que le Crusader C1. Donc c'est quand même assez dingue, hein, dans l'ensemble, parce que bon, il a plus de soute qu'un vaisseau qui est quasiment fait pour faire de la soute. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il a multifonction, ce vaisseau. Ce qui est bien, c'est qu'à l'heure actuelle, en plus, c'est un vaisseau. Bon, il n'est pas trop cher. Calmons-nous. On parle quand même de millions d'AUEC. Il est à 6 552 000 à l'Orville, pour ceux qui veulent l'acheter. Mais pour moi, ouais, c'est un peu le vaisseau par excellence, on va dire, sans trop vouloir le saucer. C'est le vaisseau qui peut vraiment faire de l'expédition parce qu'il a un quantum fuel assez, assez important. Il a... merde, j'avais dit que j'allais essayer l'ascenseur. Mais voilà, il a un quantum fuel assez important. Il a même le fuel assez important. Il peut se défendre, mais vraiment même se défendre level 1 million. Hop, donc j'ai pas envie de trop me faire chier avec le VA. Mais voilà, on peut monter sur le toit comme niveau tout en bas. Mais voilà, il peut se défendre, il peut aider, il peut. Enfin, c'est vraiment. Il est multifonction ce vaisseau. C'est pour ça que je disais que quand on disait expédition, pour moi, c'est pas de l'expédition. Et il peut tout faire. Bon, forcément, il fait son expédition. Il fait pour le travail lequel il a été créé. Mais avec ce qu'il est, ce qu'il. Là, actuellement, il peut faire beaucoup plus qu'être une simple expédition. Voilà. Après, forcément, il manque de maniabilité. Et encore, même en termes de maniabilité, comme vous pouvez le voir, il arrache quand même des darons. Après, forcément, les grosses armes là, les grosses armes devant, donc 8 tirs, mais. Faut pas oublier que mes 608 tirs, c'est des gros canons. Hein, elles arrachent un bouclier facile avec ça. Donc là, c'est des Ars. Hop, Ars 3. Il y a 8 missiles dedans. On va voir un peu comment ça part. Ok. Donc voilà, ils ont mis un beau petit vaisseau. Pas piqué des hannetons. Ceux qui connaissent encore une palpice. Vraiment, il a l'honneur d'être du multifonction. Donc voilà. Donc bah écoutez les amis, j'espère que vous aurez kiffé cette petite vidéo sur le corsaire. Bien entendu, comme d'habitude, j'ai pas la science infuse. Je suis pas la connaissance à tous les niveaux. Attention, d'ailleurs j'ai oublié. Il a un quantum de le Toren. Pardon, voilà, j'ai oublié de préciser au cas où. Bon, après, ça, c'est un bon quantum. Hein. Il fait Crusader Hearthstone en 4 minutes 30 et Microtech Hardcore en 7 minutes 54. Donc, c'est un très très bon quantum, entre guillemets. Voilà le petit détail que j'avais oublié dans la vidéo.
autant pour moi les amis. Mais en tout cas, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. Comme je vous disais juste auparavant, je n'ai pas la science infuse, d'accord? Ça peut m'arriver de faire des erreurs. Moi, j'ai pris mes notes. Si vous avez des choses à redire à mes notes, pour les connaisseurs, les gros connaisseurs qui adorent ça, la technique des vaisseaux, bah, n'hésitez pas à me le dire. Je suis preneur, voilà, je suis friand de ce que vous pouvez me dire. Après ça, voilà, j'ai essayé de vous présenter au maximum, en tout cas, toutes les connaissances que j'avais, ce qui est déjà pas mal, je trouve, parce que je pense que j'ai bien dit 85, voire 90, voire 95% des fonctionnalités du vaisseau. Et de sa grandeur. Donc voilà les amis, n'oubliez surtout pas de vous abonner, partager la chaîne YouTube à tous vos amis, c'est ultra important. Et surtout, surtout, like et vous abonner. C'est le plus important. Un grand merci à vous, à tous ceux qui le feront, le petit commentaire, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.